Madame le maire, bonjour. Donc un petit mot sur cette course cycliste. C'est un retour aux sources parce que je me souviens que cette course existait autrefois, fréquemment, la course qui avait lieu à toujours au Lardin. Oui, tout à fait. Donc merci. Effectivement, cette course avait lieu lors de la fête de la Saint-Laurent. Donc ça fait 6 ans qu'elle n'a pas eu lieu au Lardin. Donc on est ravis aujourd'hui que le club de Château-l'Évêque ait voulu relancer avec le vélo-club lardinois et voulu relancer cette course. Donc écoutez, on est ravis parce qu'en plus, il y a du succès, il y a 100 coureurs, donc ce qu'ils viennent me dire que c'est quand même assez rare. Voilà, donc on a bien fait de le faire. Voilà. Le temps est meilleur qu'hier. C'est vrai qu'hier on appréhendait un petit peu, on parlait peut-être d'annulation. Mais aujourd'hui c'est idéal, il fait frais, mais en courant, il se réchauffe, il n'y a pas de souci. Il y a un petit peu de vent quand même. Il y a un peu de vent, mais bon, ça dépend. Dans un sens ça les aide, dans l'autre ça les freine. Voilà. Donc en tout cas c'est une très bonne chose et je crois que maintenant la date sera changée. Alors elle avait lieu au mois d'août, c'était pas facile au mois d'août parce que souvent les coureurs prenaient eux-mêmes des vacances. Donc je crois que c'est pour ça que cette année, il y a beaucoup de monde parce que la période va bien en tout cas. Alors cette année 2023 est exceptionnelle sur le plan vélo, c'est l'année du vélo pour le Lardin. Absolument, c'est ce que je viens de dire tout à l'heure. On va recevoir le Tour de France féminin qui va passer par le Lardin au mois de juillet. Et surtout les 10 et 11 juin, donc on va accueillir pour la première fois la cyclotouriste la Périgordine qui partira du Lardin, dont le Lardin sera le village départ et village d'arrivée pour la cyclotouriste. C'est vrai que maintenant, effectivement, ça commence à faire beaucoup de manifestations autour du vélo, mais on en est ravis, et d'autant plus qu'on va accueillir également la Flow Vélo. Donc la Flow Vélo, je rappelle que c'est un itinéraire qui part de l'île d'Aix, qui jusqu'à maintenant allait jusqu'à Thiviers et qui va se prolonger maintenant jusqu'au Lardin en attendant d'aller à Sarlat. Voilà, donc on va devenir effectivement une ville étape pour cette Flow Vélo. Donc le vélo, comme vous le voyez, au Lardin, prend une autre dimension. Et le Tour du Limousin, normalement, qui est prévu pour peut-être l'année prochaine, voire l'année d'après. Voilà, donc je crois qu'on aura fait le tour en termes de vélo, je pense. Et on en est ravis, en tout cas. Le Lardin, ville sportive, petit à petit. Oui, c'est ça. Puis on n'oublie pas notre club de rugby, bien évidemment, en Fédéral 3, et notre club de basket qui, pour l'instant, a quelques difficultés, mais je n'en doute pas, va rebondir comme il l'a toujours fait et donc va être revenir le club phare qu'il était en régional, notamment. Voilà.